Donc le soufisme, c'est une discipline fondée sur le Coran et la Sunna, puisque le prophète était le premier maître spirituel. Yuzakihim, le prophète avait une fonction de purifier les compagnons avant même de leur enseigner le contenu de la révélation, de préparer le réceptacle de la connaissance avant l'enseignement. Et donc c'est à quoi ça sert de dire aux musulmans ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est halal, ça c'est haram, et de ne pas les préparer pour en faire un bon usage. Parce qu'on peut faire une prière, mais cette prière ne transforme jamais notre comportement. On peut faire un geste en apparence qui est conforme à la charia, mais le cœur n'est pas là. Peut-être il y a l'ostentation, il y a le fait d'associer à Dieu le regard des autres. Et donc là, on se prive de ce cheminement vers Dieu qui nécessite la sincérité dans la démarche. Al-i'radu 'anil khalq. Oublier la créature et s'adresser au Créateur. Dès qu'on commence à s'intéresser au regard, l'approbation des autres, on risque l'égarement et la sortie du chemin de Dieu. Donc l'islam est une loi, est une foi, aqida, c'est une loi, sharia, et c'est une voie, c'est-à-dire un cheminement qui vise à transformer les dogmes de la foi à travers la pratique exotérique afin d'accéder à la réalisation intérieure par le cœur. Puisque le but, c'est de transformer le cœur, illa man atallaha biqalbin salim. Donc le but, c'est de passer de la foi à la pratique du corps jusqu'à la pratique de l'esprit. Le sophisme, c'est un programme qui commence d'abord par l'enseignement de la aqida, l'enseignement de la sharia, avant d'enseigner les pratiques intérieures. Voilà grosso modo un petit peu de quoi il s'agit dans le sophisme. Le sophisme, il est accessible à tout le monde, selon le niveau. Moi, je suis parmi ceux qui défendent la vulgarisation du sophisme, le rendre accessible même à ceux qui n'ont qu'une pratique imparfaite, ou bien ne sont même pas pratiquants des cinq prières. Le sophisme, il commence par l'éducation. On commence par une prière, deux prières, trois. Puisque si on considère que le sophisme, c'est une marche, eh bien, il doit accompagner le musulman depuis les premiers pas jusqu'à ce qu'il accède à l'autonomie dans la marche. Donc, je fais descendre le niveau du soufisme jusqu'à des gens qui n'ont même pas la pratique de la charia. Parce qu'il faut avoir une pédagogie de l'enseignement, il faut l'introduire dans l'enseignement pour nos enfants. Comment pratiquer la prière du corps, mais en même temps la sincérité du cœur. Parce qu'aujourd'hui, le discours sur l'islam est un discours uniquement du fiqh, qui n'est pas en lien avec la aqida, qui n'est pas en lien avec le maqasid qui vise à transformer le cœur. Donc une pratique qui est coupé de ce fondement théologique et coupé de ses visées soufiques, mystiques. Peu importe le mot sophisme ou pas sophisme, comme la théologie, comme l'aqida, comme le fiqh, ce sont des mots qui ont été inventés pour qualifier une dimension de l'islam. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'esprit même de cette discipline. At-tasawwuf wa ilm al-suluk wa at-tarbiyah. Yantaliqu min al-aqida as-sadiqa ila al-ibada as-sahiha ila al-akhlaq as-saniya. كي يتحقق الإنسان بمرتبة الإحسان يعبد الله كأنك تراه c'est-à-dire on passe par la foi à la pratique jusqu'au dévoilement la rencontre de Dieu ici maintenant.